Dans l'épisode précédent, on a vu que la race est un phénomène social central dans le genre horrifique et qui apparaît dès ses origines gothiques au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, on développe une typologie des races qui s'inscrit plus généralement dans une classification du monde en ressources à exploiter. Les animaux, les végétaux sont des stocks, mais les êtres humains aussi, assimilés au bétail, comme esclaves, puis en général comme ressources humaines. Et dans cette perspective, l'espèce humaine formerait, à l'appui de lectures abusives de Darwin, un capital génétique qui lui-même se subdiviserait en une myriade de sous-catégories mêlant la race, la classe et le genre. Les sociétés blanches racistes d'Europe et d'Amérique opèrent donc une racisation de la population. La sociologue Colette Guillaumin précise qu'il y a un groupe dominant racisant, d'un côté, qui se considère comme le prototype de l'humain, et des groupes racisés de l'autre qui en seraient des altérations. La race, qui n'a qu'une réalité symbolique et sociale, les sociétés blanches s'efforcent d'en faire une réalité physique pour légitimer leur suprématie coloniale via un ensemble de pseudosciences comme l'étude des crânes ou des traits du visage. Et au début du XXe siècle, c'est dans ce terreau riche en fantasmagories eugénistes que vont fleurir le cinéma et la littérature pop. Cette idéologie raciste, l'œuvre de Howard Philip Lovecraft, en est une parfaite incarnation dans le genre de l'horreur. On le voit d'abord dans ses personnages racisés, qu'ils soient afrodescendants, natifs, sud-américains, asiatiques ou blancs non-wasp, ils présentent systématiquement des caractères de sauvages, prompts à la violence, libidineux, superstitieux, avec des troubles mentaux. Et leur aspect physique même reflète la monstrueuse modernité de New York et ses immigrés. Garish daylight showed only squalor and alienage and the noxious elephantiasis of climbing, spreading stone, and the throngs of people that seethed through the flume-like streets were squat, swarthy strangers, with hardened faces and narrow eyes. En toute logique, ce sont les premiers personnages associés au mal et au dieu antédiluvien de son univers, comme dans cette description des fanatiques du Cthulhu. They all proved to be men of a very low, mixed-blooded and mentally aberrant type. Most were seamen and a sprinkling of Negroes and mulattoes, largely West Indians and brava Portuguese from the Cape Verde Islands, gave a coloring of voodooism to the heterogeneous cult. Ensuite, l'horreur fantastique chez Lovecraft, c'est souvent l'incarnation surnaturelle d'une angoisse autour de la pureté raciale anglo-celtique, menacée par le métissage d'une part et la dégénérescence de l'autre. Dans le cauchemar d'Innsmouth, c'est une hybridation monstrueuse entre l'humain et l'animal, ce qu'on trouvait déjà dans l'île du Dr. Moreau de H.G. Wells. Le thème a un certain succès au cinéma, entre adaptation et création, comme avec Captive Wild Woman, où un savant démiurge transforme une guenon en femme, le résultat prenant sans surprise les traits racisés de la femme sauvage. L'autre terreur que Lovecraft met en scène, c'est la lignée qui régresse en devenant bestiale, selon cette vision linéaire de l'évolution qui a justifié à peu près toutes les horreurs commises lors des colonisations. Par exemple, dans La Peur qui rôde, la descendance d'une lignée aristocratique au milieu d'un château croulant à force de consanguinité a fini par ressembler à de petits primates grisâtres aux dents acérées. On trouvait déjà cette idée dans l'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, où le docteur bourgeois et civilisé Henry Jekyll cherche à céder librement à sa part sauvage et prolétaire faite de violence de bas-fond et de sexe déchaîné. Sous sa forme de Edward Hyde, son physique est simiesque, associant la civilisation à l'humain et la sauvagerie à l'animal, et traçant donc une frontière entre un surmoi blanc et bourgeois et un ça racisé et pauvre, entre le monde de la raison et le monde de la pulsion. Dans les productions plus récentes, l'altérité raciale se maintient dans tout son exotisme fétichiste, y compris sous des formes prétendument positives. Du reste, si Hollywood rechigne à mettre en scène des personnages racisés comme monstres en soi, divers phénomènes culturels associés à une altérité raciale vont être parodiés, vandalisés et appropriés, relayant le racisme de la société via des formes plus symboliques. C'est typiquement le cas des cultures de la diaspora africaine ou des cultures indigènes d'Amérique et d'Océanie. Et même si certains films et séries proposent d'autres rôles pour les actrices et acteurs racisés, les stéréotypes ne sont jamais loin. Le film Ma de 2019 est un bon exemple. Si l'on prend la perspective du racisme daltonien qui prétend ne pas voir les couleurs, il est comparable en tout point au film Greta de 2018. Dans les deux, une jeune femme est persécutée par une femme plus âgée, obsédée et violente. Et oui, mais voilà, si dans les deux films les jeunes victimes sont blanches, l'antagoniste de Greta est joué par Isabelle Huppert quand celle de Ma est incarnée par Octavia Spencer. Par son physique et le titre du film, cette dernière évoque le stéréotype de la mammy, la vieille esclave de maison à la fois rustre et maternelle. Si retourner ce cliché aurait pu être symboliquement fort dans un film d'horreur, le film ne fait finalement que mettre en scène une femme noire violente et dérangée, cumulant psychophobie et misogynie noire. Même la série Lovecraft Country tombe dans des écueils similaires, comme celui du colorisme et discrimination raciale portant sur le degré de clarté de la peau. Cet aspect est flagrant dans le traitement des demi-sœurs Letty et Ruby, cette dernière qui pactise avec la secte mystique blanche et raciste étant sacrifiée en fin de saison. Par ailleurs, la question de la virilité noire et de l'homosexualité masculine est abordée sous l'angle de l'agressivité et de la haine de soi chez le personnage de Montrose. Il en résulte le stéréotype de l'homosexuel refoulé performant une hyper-masculinité toxique qui reproduit des schémas traumatiques envers son fils adoptif. Sa violence culmine avec le meurtre de Yaima, seul personnage indigène et deux esprits, c'est-à-dire une personne dont le genre est non conforme à la binarité homme-femme. Le peu d'importance accordée à ce meurtre semble en dire autant sur l'intérêt presque folklorique porté aux populations natives que sur la tolérance pour le stéréotype de l'homme noir violent.